Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag Harry Potter. Et après avoir défini ma maison, mon patronus, aujourd'hui on va définir la baguette magique. C'est un petit peu la base quand même là. Du coup on va aller sur Pottermore ensemble, on va regarder ça. Et puis bon, on y va, c'est parti. Nous voilà donc sur mon profil Pottermore. Donc là il y a mon patronus qui est un chat de Sibérie. Ma maison qui est donc Serpentard, ça ce sera pour un autre tag. Et donc on est ici sur Discover Your Wand pour la baguette magique. C'est parti. Ok, donc en fait là on peut prendre son temps. Pour le patronus, fallait répondre hyper rapidement. Du coup c'était vraiment juste des mots. Là ça veut dire que je pense qu'il va y avoir des questions. C'est parti, on regarde. Ah ouais, voilà. On est revenu un petit peu comme pour la maison. Là il y a des questions avec des choix. Donc évidemment ça nous laisse le temps quand même de tout lire pour être sûr. Pour être sûr que nous trouvons la baguette parfaite pour vous, c'est important que vos réponses pour les questions qui arrivent soient honnêtes. Tout d'abord, pourriez-vous vous décrire? Et donc pour les réponses, on a le choix entre de taille moyenne, petit ou grand. Donc moi je suis de taille moyenne, donc je sélectionne la première réponse. Les yeux, donc il y a marron foncé noir, marron, vert on va dire, bleu, bleu gris, ah bleu vert, gris et puis autre. Oui, alors autre. Moi j'ai plutôt les yeux bleu gris comme ici. Ah, le jour où vous êtes né, est-ce que c'est un nombre pair ou impair? Moi c'est un 4, donc c'était un nombre pair. Ma plus grande fierté à propos de moi. La gentillesse, l'optimisme, la détermination, la résistance on va dire, l'imagination, l'intelligence ou l'originalité. Je dirais la gentillesse, donc je vais remonter tout en... Oh. Allez, vous êtes en train de marcher seul sur une route désertique et là vous arrivez à un croisement. Où est-ce que vous allez, on va dire? Donc il y a, on peut aller à gauche vers la mer, tout droit vers la forêt ou à droite vers le château. J'ai pas trop envie d'aller dans la forêt, hein. Et puis la mer, je suis pas très très fan, donc je vais aller au château. Vous avez le plus peur du feu, du noir, de l'isolation, des petits espaces ou de la hauteur? Alors hauteur non, petits espaces non. Je pense que je vais mettre darkness. Dans un coffre avec plusieurs artefacts magiques, lequel est-ce que je choisirais? Donc il y a un miroir avec des ornements, une bouteille poussiéreuse, une clé dorée, une dague argentée, un rouleau de parchemin, des bijoux qui brillent ou un gant noir. Alors moi j'aime beaucoup les trucs qui brillent, hein. Alors j'aime bien du coup donc les bijoux, j'aime bien la dague en argent aussi, la clé dorée. Je vais prendre les bijoux qui brillent. Ouh, ça y est, j'ai ma baguette. Ma baguette est en bois de séquoia avec une plume de phénix à l'intérieur et elle est assez souple et flexible. Ça va, elle est pas de ouf, mais j'aime bien l'ornement qui est sur le début de la baguette. J'aime bien, c'est joli. Pourquoi pas? Et bien voilà, c'est bon pour ma baguette. Donc maintenant ça vient compléter mon patronus et ma maison. Je pense que je vais aller voir là sur internet un petit peu à quoi ressemblent les autres baguettes, les autres possibilités de baguettes qu'on pouvait avoir. Et puis bah du coup il nous reste plus qu'un tag à faire là par rapport à Pottermore. Donc c'est pour avoir l'autre maison. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez eu comme baguette. Et si vous avez aimé ce tag, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!